Et salut les dads, c'est The King PES. On se retrouve pour l'épisode 3 de la carrière manager avec le LOSC Lille. Voilà, nous sommes en pleine, nous sommes au début du mercato hivernal. On est vice-champion d'automne. On va commencer le transfert hivernal. Mercato hivernal. Premier match contre le PSG, Coupe de France, quart de finale. Espérons qu'on se qualifiera pour les demi-finales. Là, nous allons directement aller dans ma liste d'observations que vous avez vu lors du premier épisode. Nous allons retenter notre chance avec Mauro Icardi et Antoine Griezmann. N'oubliez pas qu'on a un budget de malade. On ne peut pas recruter des gros joueurs fous comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. N'oubliez pas que dans ce jeu, pour avoir des grands joueurs, il faut qu'on soit un grand club, très populaire, et avoir une bonne note, même gagner la Ligue des Champions, même gagner la Coupe, championnat de Coupe de France. Pour l'instant, on va commencer avec Mauro Icardi. Je sais déjà, on va proposer un contrat de 5 ans, la même chose, mais on va faire un truc de ouf. On va tout mettre au but, la somme maximale pour essayer. On va essayer avec Antoine Griezmann, mais n'oubliez pas qu'on avait essayé deux fois, on a essayé trois fois avec Mauro Icardi, ça n'a pas fonctionné, on espère que la prochaine fois sera la bonne. Là c'est la deuxième fois qu'on va retenter avec Antoine Griezmann. J'espère qu'on va réussir à faire signer ce putain de champion du monde, parce que moi, à mon avis, je sais déjà que Griezmann c'est un bon joueur, c'est un genre de fou, il peut aider le club, c'est bon, s'il ne peut pas, c'est pas grave, si on n'arrive pas, c'est pas grave. J'essaye de trouver un autre joueur à mon goût, mais voilà, ce Rodriguez ne m'intéresse pas, mais Virgil Van Dijk, il m'intéresse, c'est un bon joueur, n'oubliez pas qu'il est dans la touti, c'est un bon joueur, et c'est un bon défenseur, meilleur que Sergio Ramos, même si Sergio Ramos il est fort, mais trop agressif. On propose à Virgil, j'espère que Virgil acceptera notre offre. Nous allons passer au jour suivant, ce qui sera même le jour de notre premier match. J'espère qu'on va recruter au minimum deux joueurs sur ces trois joueurs. Et on a fait signer Mauro Icardi et Virgil Van Dijk. Antoine Griezmann, c'était un échec. C'est pas grave, on a réussi à recruter ces trois joueurs. Là maintenant, je vais vous laisser juste de là et je vais vous laisser pour voir les meilleures actions du match contre le PSG. Allez, à plus pour les meilleures actions.
Et on se retrouve après le match contre le PSG. Une victoire écrasante, 4-0. Le PSG n'a rien pu faire. Et un magnifique penalty de Mauro Icardi. À peine rentré, on lui laisse déjà le ballon du deuxième, du 2-0. C'est quoi? C'est un match de ouf. On va jouer les quarts de finale contre l'Olympique. Je veux dire, les demi-finales contre l'Olympique de Marseille. Et donc, ce sera le tout dernier match de ce mois du mercato. Ne vous inquiétez pas, vous l'aurez dans le prochain épisode, mais pas dans celui-ci. Parce que dans celui-là, on n'aura que deux épisodes. Regardez, je vous ai bien dit, demi-finale contre l'Olympique de Marseille. Voilà. Et l'autre demi-finale sera contre l'OGC Nice. Et donc, si on bat Marseille, qui on affrontera en finale? Parce qu'on a déjà éliminé le PSG. Qui on affrontera en finale entre Nice et Nantes? Maintenant, nous allons passer. Nous allons faire. Regardez. Là, je pense qu'on ne peut pas. Là, j'ai plus envie de recruter le joueur. Là, j'ai plus envie de recruter des joueurs. Ce que j'ai envie vraiment, c'est d'améliorer la formation de l'équipe. On va essayer de trouver une formation avec 5 attaquants. On va mettre en pointe Mauro Icardi. Voilà, on va mettre Icardi en pointe. On aura deux milieux latéraux et un milieu central. Voilà. Là, nous avons fait. On va le faire, essayer de faire quelques recrues. On va acheter quelques joueurs. On va essayer de acheter Lucas Paqueta. Un bon brésilien qui est absolument qui est à l'AC Milan. On a 50% de chance de réussir. J'espère qu'on va réussir à recruter ce Lucas Paqueta. Et on va le proposer un contrat de 5 ans. Allez, on va regarder, on va proposer le maximum. N'oubliez pas, on a un budget de fou. Et on va essayer de faire revenir un autre joueur. Mais non, là j'ai besoin. On va simplement essayer de faire acheter Lucas Paqueta. Voilà, voici l'équipe. Je regarde s'il a, on a pas, si les joueurs n'ont pas reçu d'offres, parce que lors du tout début de vidéo, j'avais un joueur qui avait reçu une offre. Mais donc là, je libère les joueurs qui ne me servent à rien. J'ai libéré Baz. Je vais libérer Emiliano Ponzi parce que il ne sert à rien. Voilà, vous voyez quelque chose, je libère. J'annule le contrat de plusieurs joueurs que pour moi qui ne sert à rien. Même Benzi. Je garde seulement El Ghazi qui sera un bon remplaçant. Parce que pour moi, El Ghazi a un bon niveau. Là, nous allons actuellement passer au prochain match. Que ce sera contre. J'ai pas le temps de voir en fait. On va voir. En même temps, qui sera notre prochain adversaire? Ce sera le premier match. Je pense qu'on va affronter d'autres, si je me souviens très très bien. On va. Oh ben, on n'a pas réussi à acheter Lucas Paqueta. C'est pas grave. Première. On va jouer la 25e journée. Donc la première journée des matchs de retour en championnat contre d'autres. Si je me souviens très très bien, oui, on va jouer contre Nantes. Non, c'est la dernière, oui, c'est quand c'est... On va jouer contre Nantes. Et voilà, on va essayer de chercher maintenant d'autres joueurs que je peux recruter actuellement. Voilà, parce que à mon avis, qu'il y a beaucoup de joueurs. Voilà, il y a des joueurs qui ont du niveau. On va essayer de acheter Diego Godin.
défenseur de l'Atlético Madrid. On va essayer de recruter. On n'est pas qu'on mette toujours. On va mettre au maximum pour augmenter nos chances pour le recruter. Et je cherche s'il n'y a pas d'autres bons joueurs. On va essayer d'acheter Paul Pogba. Allez, regardez. On va essayer de recruter Paul Pogba, un autre champion du monde. L'un des champions du monde. Ne l'oubliez pas. On va faire ouvrir un maximum. On va essayer. Dès qu'on a assez de thunes, dès que vous avez assez de thunes, mettez offre de contrat, salaire. Mettez au maximum. Voilà. Puis je vais maintenant acheter d'autres joueurs dans ma liste. Comme Douglas Costa et Rodrel Di Maria. Voilà, je les rajoute dans ma liste d'observation. Et on va passer au match contre l'FC Nantes. I have a dream where love's the only side.
So take my hand, join the army of the shadows. Going harder, we are more than numbers. Standing in the shade. Going louder, we are all one color. Standing in the way. Contre le FC Nantes, résultat score 2-0. Ok, on a gagné 2-0, mais est-ce assez pour être toujours derrière le PSG? À mon avis, oui, on gagne toujours notre place de vice de dauphin. Voilà, on regarde toujours notre place de dauphin. Mais à un moment, si on affronte le PSG en championnat, on doit le battre pour qu'on passe
premier. Par différenciation, on a le même point. J'espère qu'on passera premier. Premier avec différence de but. Et ça, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Et malheureusement, oui, j'ai d'autres projets à faire pour vous, mes abonnés. Ne vous inquiétez pas, je serai toujours là pour vous et pour vos amis qui fun. Si cette vidéo vous aura plu, likez, partagez la vidéo et surtout, commentez-la. Et surtout, la plus importante, on a recruté Pogba. On a recruté Pogba. Je vais vous dire un échec. Voilà. Mais on a recruté Paul Pogba pour une somme de 103 millions d'euros. Ok, on a acheté Paul Pogba. C'est on termine la vidéo en beauté. Je dois reprendre. Je vais reprendre ce que je dis. Likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo. Le moment. Bon, allez. Abonnez-vous. On est 354 abonnés et quelques, je pense. Maximum objectif, les 500 abonnés. Allez. Allez, les amis. 500 abonnés plus des barres. Oh, pétez-moi cette barre de like. Allez, les amis. Ciao pour une toute nouvelle vidéo.